L'Aisnon, c'est le grand tourne à gauche de la saison, circuit technique et difficile pour les trois roues. Difficile pour les pilotes qui, avec le regard à 50 cm du sol, doivent affronter ce circuit où une majorité de virages sont aveugles. Difficile pour les passagers qui ont très peu de répit entre chaque mouvement. Ils ont souvent à vaincre la chaleur gardoise, l'hydratation sera leur maître mot. Pour cette troisième manche du championnat de France Superbike France Équipement, en F600 où les représentants du mondial ont imposé leur technique jusqu'à présent, nous retrouvons le jeune Ted Peugeot et Vincent, son père et passager, qui ont à cœur de confirmer leurs excellents résultats du Mans et de Nogaro. Paul Léglise et Sébastien Lavorel, un peu en retrait de leur performance attendue, sont toujours sur un châssis d'emprunt qu'ils n'ont pas envie de casser. Rémi Guignard et sa compagne Frédéric Pou progressent à chaque sortie sur leur nouveau matériel maintenant fiabilisé. Francky Barbier et Mimi Rigondeau sont dans leurs traces et à la bagarre pour leur prendre le meilleur. Benjamin Luneau et Nicolas Bidot continuent leur apprentissage de vie en communauté. Nouveau moteur, nouvel équipage, chaque circuit l'occasion d'une formation accélérée. Philippe Lebaille et Serge Leveau, après différentes améliorations techniques, pourront sans doute mieux s'exprimer. En F2, l'équipage César Chanal et Olivier Lavorel est maintenant bien installé en tête du championnat. Estelle Leblon roulera avec Clément Conil pour la première fois. Ce nouvel équipage aura envie de briller face au team Chano. Pierre Le Guen et Sarah Sescouti manquent encore de confiance avec leur nouveau châssis, cependant les améliorations sont sensibles. Koulven Crochemore et Bruno Picoin devraient leur disputer la place, ils progressent avec l'assurance des débutants, si le matériel leur en laisse l'opportunité. François Leblon et Cyril Douane-Chazel tenteront de nouveau des freinages dont ils ont le secret. Quant à Steven Palacker et Marjorie Sescouti, leur jeunesse et leur fraîcheur seront des atouts à abattre dans les épuisants derniers tours. Un beau plateau de sidecar est donc présent à l'Aisnon, où seuls les mieux préparés sortiront leur épingle du jeu. Il est à noter qu'on n'avait jamais vu ce paddock aussi complet, toutes catégories confondues. La première séance de qualification annonce déjà une homogénéité toute relative. Le tarif à la place aussi entre 1 seconde 5 et 2 secondes. Les Peugeot prennent la tête des F600 sur la grille avec 1.28.753, suivi de Léglise Lavorel en 1.32.114 et Guignard Pou en 1.32.003. En F2, Chanal Lavorel s'installe parmi les F600 avec un beau chrono de 1.33.550. Le record de la piste détenu par Estelle ne tient plus qu'à une poignée de dixièmes. Leblon Conil passe en 1.34.774 et pour Clément qui débute ici, c'est prometteur pour la course. Le Guen Sescouti, avec 1.36.843, partira 3e des F2 sur la 11e place de la grille. Le départ de la course est donné à 17h sous une chaleur qui assomme tous les pilotes, majoritairement du Nord. Paul Léglise parvient à surprendre Ted Peugeot et s'empare de la tête. Cet éclat est bien vite balayé lorsque Ted Peugeot reprend ses droits. À la chasse, Paul bloque les freins dans la descente et sort dans le bac du raccordement. Ce jardinage lui coûte 8 places, mais il repart au combat et tente de rattraper une à une les places perdues. Derrière Ted, Rémi Guignard se maintient en seconde place jusqu'à ce que la fixation de l'échappement cède au 9e tour, l'obligeant à se ranger sur la voie de sécurité. Stéphane Gadet et Clotilde Salmon sont victimes d'une casse mécanique qui les contraint également à l'abandon dans le même tour. C'est donc au tour de Benjamin Luneau et Nicolas Bidot de s'emparer de la seconde place. Ils n'en espéraient pas tant. Le podium scratch est complété par Philippe Lebaille et Serge Leveau, très réguliers, qui terminent 88 millièmes devant Paul et Sébastien, qui sont remontés en 4e place. Jean Périlla et Thibaut Cochon sont trahis par le coupe-circuit qui stoppe l'alimentation sans qu'on lui demande. Francky Barbier et Mimi Rigondeau se trouvent juste derrière l'aspiration, les percutent et détruisent leur carène. En F2, Estelle Leblon et Clément Conil prennent la tête pour 6 tours magnifiques au milieu des F600. Une petite erreur de synchronisation pousse leur châssis à la faute et les oblige à céder du terrain. César Chanal et Olivier Lavorel, qui ont manqué leur départ, s'élancent dans une remontée qui laissera finalement tous les autres derrière. Ces deux équipages termineront 6e et 7e au scratch. David et Céline Descours, d'un geste malheureux, arrachent leur coupe-circuit dans le premier tour. Après la remise en marche, leur châssis compte presque un tour de retard. Ils préféreront sagement stopper au second passage plutôt que de partir à la conquête de l'inutile.
Steven Pallaker et Marjorie Cescuti sont trahis par leur mécanique et sont contraints à l'abandon. Le fer à cheval ne portera pas chance à Gulven Crochemore et Bruno Picoin qui, eux aussi, subissent des coupures intempestives et doivent s'arrêter dans ce fameux virage. Pierre Le Guen et Sarah Cescuti restent réguliers dans l'effort et se maintiennent à la troisième place. Podium 1, Scratch. Premier, Ted et Vincent Peugeot. Deuxième, Benjamin Luneau et Nicolas Bidot. Troisième, Philippe Le Bail et Serge Levaux. En F2, premier, César Chanal et Olivier Lavorel. Deuxième, Estelle Leblond et Clément Conil. Troisième, Pierre Le Guen et Sarah Cescuti. La seconde séance de qualification est lancée dimanche matin et les chronos se resserrent à 8 dixièmes entre les équipages de tête. Sur les F600, Ted et Vincent prennent le meilleur sur Paul et Sébastien, puis Benjamin et Nicolas. Rémi et Fred en profitent pour valider la réparation de la fixation d'échappement. Sur les F2, César et Olivier s'installent en tête devant Estelle et Clément, puis Pierre et Sarah. Au retour des qualifications, les désormais traditionnels tirages au sort de France Sidecar Compétition récompensent les équipages chanceux et mettent en valeur nos sponsors. Qu'il en soit remercié au travers de ces images. Le départ de la course 2 est donné au plus chaud de la journée. Ted et Vincent apprennent vite et ne se laissent pas surprendre cette fois. Ils s'envolent en tête et ne laissent aucun espoir aux poursuivants jusqu'au dernier tour. Une leçon de qualité donnée par un élève de grand talent. Dans le troisième tour, Rémi et Fred s'emparent de la seconde place en dépassant Paul et Sébastien qui prendront la dernière place du podium. Benjamin et Nicolas, malgré la casse d'une fixation moteur, terminent à une belle quatrième place. Francky et Mimi jouent de nouveau de malchance et une casse mécanique qui pourrait être consécutive à l'accrochage de la veille les oblige à suivre la course depuis le bord de la piste. Un week-end à oublier. Léandre Auré et Valentin Pira, qui ont amélioré la machine, les trajectoires et les chronos pendant le week-end, perdent peu à peu la boîte de vitesse qui s'obstine à rester sur la quatrième. Ils ne passeront pas le damier et ce n'est vraiment pas payé en regard de l'excellent travail fourni. En F2, César et Olivier, à leur en tête, sont contraints à l'abandon sur casse mécanique. Estelle et Clément s'emparent donc de la première marche devant Pierre et Sarah, puis Steven et Marjorie, qui ont brillé en bagarrant parmi les F600. Jean-Bernard Michon et Caroline Mugnot, victimes de leur mécanique, stopperont dans le 6e tour alors qu'ils occupaient la 18e position. Podium 2, Scratch, premier Ted et Vincent Peugeot, deuxième Rémi Guignard et Frédéric Pou, troisième Paul L'Église et Sébastien Lavorel. F2, premier Estelle Leblond et Clément Conil, deuxième Pierre Le Guen et Sarah Cescuti, troisième Steven Pallaker et Marjorie Cescuti. Au classement du championnat, la famille Peugeot avec 129 points, suivi de Reeves Rousseau avec 93 points et L'Église Lavorel avec 74 points. En F2, premier avec 130 points, Chanal Lavorel, suivi de Leblond François et Douane Chazel Cyril avec 88 points, talonné par Le Guen Pierre et Cescuti Sarah avec 72 points.